Manon Tanti et Maeva Ghennam agressées par inconnus à Dubaï, la vidéo fuite. À seulement 25 ans, Maeva Ghennam est la star incontournable de la télé-réalité en France. Découverte dans les Marseillais Australia en 2018, la sulfureuse brune est rapidement devenue une candidate emblématique et a enchaîné les tournages des Marseillais. Du cross et des apprentis aventuriers. Comme toute influenceuse qui se respecte. Maeva a élu domicile dans une magnifique villa à Dubaï. Enfin réconciliée avec Manon Tanti. Qui a récemment clashé Nord et suite à sa dispute avec son mari Julien, les deux starlettes ont vécu une mésaventure lors de leur dernière sortie. Rappelez-vous, le 16 décembre dernier, Maeva Ghennam avait raconté une anecdote où elle a failli se faire frapper par un groupe d'hommes. Alors qu'elle s'était installée sur la terrasse d'un café à Dubaï avec Julien et Manon Tanti pour visionner le match France-Maroc. Des inconnus s'en sont pris à elle. Elle avait alors tout raconté sur Snapchat, « Je suis sortie avec des amis pour regarder le match. Je passe un bon moment, je suis dans un bel endroit. Et là, je reçois un glaçon dans la tête. Je n'ai rien fait. Je vous jure. Je me retourne pour voir qui est le fautif et j'aperçois une table avec des garçons. L'un d'eux se met à rigoler, puis désigne son ami. Je lui demande pourquoi il a fait ça et il se moque de moi. Ça part en embrouille et je vois qu'il filme. Donc, je fais la même chose. Le mec a pété les plombs et il a voulu me frapper. Ensuite, ils se sont fait virer comme des malpropres. Guillaume. Si l'histoire s'était arrêtée là, elle vient de refaire parler d'elle, puisque la fameuse vidéo vient de fuiter sur les réseaux. En effet, la blogueuse Cheyara TV a reçu le SNA des inconnus qui auraient agressé Maeva et Manon. Dans cette vidéo, on voit très nettement Maeva Ghennam, Manon et Julien Tanti s'embrouiller avec des clients. Furieuses, les deux candidates de télé-réalité demandent à la personne qui a jeté un glaçon ou du charbon de chicha de se désigner. Sur les images, on distingue bien Maeva qui tente de calmer Manon Tanti en lui rappelant qu'elles sont filmées par la bande de garçons et que cette vidéo risque très fortement de leur porter préjudice s'ils l'envoient à des blogueurs. Selon Cheyara TV, Maeva Ghennam a failli en venir aux mains avec un de ses détracteurs à la sortie du café, mais son ami Manon l'en aurait empêché. En signe de protestation, Maeva finit par fixer la caméra d'un des inconnus, puis lui adresse deux doigts d'honneur. À l'heure où nous écrivons ces lignes, ni Manon, ni Maeva ont commenté cette vidéo qui vient de fuiter.